Regardez ce qu'il y a comme arrivage. Une tablette comme ça de baignoire. C'est trop trop bien. Parce que là vous avez un petit support pour mettre la tablette ou le portable. Vous pouvez mettre un petit verre là. Ah non, le portable, vous pouvez le mettre là. Franchement, c'est encore plus beau que celui que j'avais. Après, c'est couleur bois, ça m'embête parce que moi je préfère quand c'est blanc. Mais c'est pas mal, franchement. Et c'est 9,95€. Alors, donc là, ils ont mis ces produits-là. Ça, c'est pas le même que d'habitude. Bon, ils ont tous les mêmes packaging en fait. Mais là, c'est la mousse pour la salle de bain. C'est très bien aussi. Et c'est 2,28€. Et sinon, ils ont aussi remis les fameuses pâtes roses. Donc très très efficace à 2,95€. Comme ça. En superbe nouveauté cette semaine, vous avez des petits bols comme ça marbrés qui sont vraiment super jolis. Bon, là, on voit pas trop le côté marbre sur celui-là. Je vais vous montrer sur celui-ci, vous voyez. Il est sublime. Magnifique. Franchement, il est vraiment trop trop beau à 1,99€. Ça va pas rester longtemps ça. Il y a du doré là juste au-dessus. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté, en tout cas je les avais jamais vus ou j'ai jamais fait attention. Il y a ces verres là et on va en prendre justement parce que nous on avait pris l'autre fois des verres, vous savez, avec des couleurs, toute la couleur est partie. Donc maintenant je me fais plus avoir, je prends plus de verres avec des couleurs, je prends des verres basiques comme ça. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action. Ça faisait longtemps, oui ça faisait longtemps, et du coup c'est le gros craquage. Gros craquage, j'ai trouvé plein de choses hyper intéressantes. Donc bah, je vais vous montrer tout ça, je suis en train de réfléchir par quoi vais-je commencer. Je vais commencer par ce qui m'a coûté le plus cher. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais même pas si je vais réussir à vous la montrer. Voilà. Une énorme valise. Comme ça. Elle est énorme. Je sais pas. Je vous montre comme ça. Elle est énorme. Vraiment plus grosse que les deux autres qu'on a. Nos deux plus grosses, encore plus grosses celle-ci. Donc vraiment, elle est juste énorme. Je vous explique pourquoi on a acheté cette valise. Je vais essayer de vous expliquer. Sans trop vous donner de détails, voilà, là je vais commencer à trop en dire et Anthony va me gronder, donc non, je vais pas trop vous en dire. On va arriver assez tôt à notre destination, on prend l'avion et du coup on récupère le logement à 14h. Et il n'y a rien à faire, on peut pas négocier, le monsieur nous a dit que c'est pas de sa faute, c'est comme ça, c'est l'heure, alors que quand on est parti à Lisbonne, on avait pu négocier, le monsieur était trop sympa, il a dit oui, vous pouvez venir dès que vous avez votre, enfin dès que vous arrivez avec le transfert et tout, vous venez. Là, non, là c'est pas du tout négociable, et nous, on connaît nos enfants, on sait que 3 valises, enfin 5 valises en tout, donc chacun notre valise, plus les sacs à dos, plus leur valise et tout, ça va être le bazar total, on va pas réussir à gérer tout ça, c'est impossible, donc on s'est dit, on va simplifier les choses. Donc on va avoir une grande valise pour Anthony et moi, voilà, donc on va faire attention à ce qu'on prend, faut que les affaires d'Anthony et les miennes rentrent dans la même valise, on va essayer. Ensuite il y aura une valise vide, alors pas celle-ci mais l'autre du coup, pour tout ce qu'on va rapporter, et il y aura donc cette valise qui est vraiment très très grande et qui va réunir les affaires des 3 enfants, ce qui fait qu'on aura 3 valises au lieu de 5 et ça sera beaucoup plus gérable. Pour patienter, pour aller manger, etc. Dans les restos, vous savez, c'est étroit, c'est voilà, galérer avec les enfants, les valises et tout, ça va être compliqué. Donc là, avec juste 3 valises, c'est déjà plus facile que 5 valises, non. Donc bref, voilà l'histoire de la valise. Et là, elles sont en promo en plus cette semaine, elles sont à 42,95€, alors que normalement, il me semble, si je dis pas bêtise, qu'elles sont à 50€ quasiment, 49,95€. Donc ça fait quand même 7€ de moins. Je suis contente que pour une fois, je prends le produit en promo. Souvent, vous me dites, ah, mais t'aurais dû attendre, c'était les promos et tout. Ensuite, j'ai pris des cintres comme ça noirs pour Arthur, parce que Arthur, il a pas de cintre en fait. J'ai récupéré ses anciens cintres en plastique qui sont dans un état vraiment pas terrible, donc là au moins il aura ses cintres, normalement il y a ce qu'il faut, ça suffit. Donc normalement ils font aussi du bois, je suis vraiment déçue, j'aurais trop voulu avoir ceux en bois pour aller avec son dressing mais il n'y avait pas, donc j'ai pris noir, je me dis que c'est pas très grave, noir ça va aller avec son bureau, voilà, vu que c'est un dressing ouvert, je vous ai montré, les cintres seront visibles, ça fera sympa, un petit rappel de noir comme ça. Les cintres ils sont à combien? Je crois que c'est 2,59€, donc je crois que c'est 2,59€, 2,99€ peut-être. Mais ils sont très bien, moi j'en ai repris pour moi parce que du coup j'en ai pas assez. Donc ensuite, gros craquage, je vous explique, j'ai vu passer ces palettes sur Insta. Et ça faisait un moment que je les voyais passer avant même qu'elles sortent chez Action. En fait c'est des palettes de la marque Révolution, voilà, comme ceci, donc j'en ai pris 2.
parce que sur le site elles sont à 12 euros, donc sur le site de Révolution c'est pas non plus hors de prix leur make-up, apparemment c'est du make-up de qualité, moi j'avais jamais testé avant et c'est pour ça là je me suis dit je vais vraiment tester parce que c'est vraiment vraiment pas cher puisque là les palettes elles sont à 4,99€ donc au lieu de 12 sur le site internet de Révolution, si vous allez sur le site vous allez retrouver exactement les mêmes palettes et du coup je suis trop contente d'avoir pu les prendre pour pas trop cher. Alors moi je suis pas une grande addict aux palettes pour les yeux parce que je mets pas beaucoup de fard à paupières mais ça m'arrive et du coup là c'est des palettes qui vont me durer je sais toute l'année c'est certain et comme on a 2-3 événements là à préparer et tout, du coup j'aurai, ça va me permettre voilà, de me maquiller, de mettre un peu de couleur, de changer un petit peu. Par contre pour les ouvrir elles sont très très galères. Alors après moi de base je suis pas trop couleur bleue etc, mais là j'ai plusieurs robes qui sont bleues donc je me dis je vais peut-être tester, je vais faire un effort. Je vais faire un effort parce que c'est pas que j'aime pas le bleu, c'est que moi je trouve que c'est pas les couleurs qui me vont le mieux en général. Moi je suis plus marron, même le vert je trouve que ça me va mieux encore que le bleu. Après là il y a du cuivre, il y a quand même pas mal de choix, il n'y a pas que du bleu hein. Vous voyez il y a plusieurs, j'ai de vous montrer, vous voyez celle-ci elle est trop trop belle. Vous avez le kaki là que j'ai essayé franchement tout à l'heure, il est trop trop joli. Vous avez celui-ci qui est beau, celui-ci le foncé, le comme ça, enfin voilà vous avez quand même de quoi faire, de quoi mixer, faire des petites choses sympas. Donc ça, celle-ci je l'ai prise parce que franchement pour le prix, c'était surtout pour le prix, quand j'ai vu ça je voulais absolument la prendre. Et j'ai pris aussi celle-ci qui est plus dans mon style vraiment, avec des couleurs vraiment plus dans ce que je mets. Bon celle-ci je crois qu'elle a, elle a morflé un peu parce qu'elle est un petit peu on dirait qu'il y a de la poudre dessus. J'espère que je vais pas me salir. Je vais mettre ça là. Celle-ci, elle a pris cher, celle-ci. Oh là là, j'ai peur. Oh, je peux même pas vous montrer. Oh, regardez, dans l'état de la palette. Elle est toute cassée. Donc ça, celle-ci, je pense que je vais la rapporter. Hein. Enfin, je pense. Je dis je pense parce qu'en fait, il n'y en avait plus. Et il y a des couleurs qui sont trop trop belles. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fards qui sont intacts. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fards, si je ne dis pas de bêtises, qui sont pas intacts. Mais est-ce que je peux pas les récupérer quand même? Le problème c'est que si je la rapporte, ils vont me les changer, enfin ils vont me rembourser, il n'y a pas de problème. Mais il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura pas d'autres. Je suis trop déçue. Je suis trop déçue. Trop déçue, regardez. Regardez le carnage. Je la penche pas trop parce qu'il y a le tapis. Et le canapé, donc je vais éviter, je suis trop dégoûtée. Bon, c'est bon, je me suis lavé les mains. Ouais, je suis super déçue, franchement, je suis super déçue. Autant celle-ci, elle est intacte, nickel. Et l'autre, j'aurais dû m'en douter. C'était la dernière qu'il restait. Et il y avait des petits points dessus, il y avait des petites taches sur l'emballage. J'étais trop contente, j'ai dit c'est la dernière et tout, je suis trop contente, trop contente. Et en fait, bon après il y en a quand même 10 dedans, dites-moi, vous auriez fait quoi à ma place? Est-ce que vous la rapportez ou vous la rapportez pas? Ensuite j'ai pris un fond de teint comme ça, lissant et couvrance totale. Je n'ai jamais testé ça. Moi je mets toujours des bébés crèmes d'habitude, mais là j'ai vu 1,99€, j'ai dit pourquoi pas pour essayer les jours où j'aurai vraiment une sale mine, pourquoi pas. Il y avait plein de numéros différents. Et je ne savais pas, il n'y a pas de testeur hein, chez Action, donc du coup on peut pas trop savoir. Moi j'ai pris F4, je sais pas du tout ce que ça va... Je sais pas ce que ça va donner sur ma peau. On va voir. 1,99€ le fond de teint Révolution. J'ai pris des crayons feutres que je voulais prendre l'autre fois, il n'y en avait plus. Donc là c'est pour les trousses des enfants. Voilà, je vais pouvoir compléter avec ça. Bon, des sacs poubelles, ça c'est comme d'habitude. Ensuite j'ai trouvé des bols magnifiques. Vraiment des bols trop beaux. Je vous montre des bols en effet marbre. Vraiment ils sont magnifiques. Regardez. Sont trop jolies, donc ça va être parfait pour moi qui bois de la soupe tout le temps, qui me fait toujours des repas dans des bols, ça va être nickel. Donc voilà pour ça, pour celui-ci, j'en ai pris un autre, voilà, comme ça quand on fait des petits plateaux repas avec Anthony, on est tous les deux avec la même vaisselle, c'est plus sympa. Donc voilà, j'en ai pris deux, franchement il est vraiment trop beau, ils étaient pas très chers les bols, c'était 1,99€ je crois. Donc ça c'est bon, ensuite j'ai craqué. J'ai craqué, mais j'installerai ça plus tard. Mais j'ai craqué, parce que je sais que ça restera pas. Donc voilà. Mais je vous avais dit 2-3 petites choses que je prendrai pour l'automne. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Oh, c'est de toute beauté. Donc ça, ça sera pour poser là sur le centre de table.
petite bougie et c'est tout. Et ça me suffira pour me mettre dans l'ambiance, dans le mood automne. 3,99€, il y avait plein d'autres modèles, mais avec les citrouilles, c'était le seul modèle. Sinon, c'était avec des pommes. Et l'autre, c'était avec des petits éclats de trucs. C'était joli aussi, hein, mais moi, c'était vraiment, je voulais trop les citrouilles. Donc vraiment, je suis ravie. J'ai repris un doseur comme ça, parce que le mien, il est tout explosé, tout cassé. Donc voilà, je préférais ceux en verre, mais ils en ont plus. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des trousses pour les enfants, j'ai réussi à négocier pour prendre ça au final. Sacrée économie par rapport aux trousses Swan & Neo, puisque ça coûte 1,29€. Donc voilà, pour ce qu'ils vont en faire les enfants, franchement, pas la peine de se ruiner avec des trousses. Voilà, donc ça c'est pour Victor et William. Eux c'est bon, il ne reste plus qu'Arthur, toujours. Toujours le même, il va falloir que je m'occupe d'Arthur. J'ai repris des verres, j'en ai pris 6, alors je sais pas où sont les autres, ils doivent être sur plan de travail à mon avis. Donc maintenant c'est terminé, je ne prends que des verres comme ça, transparents. Je prends plus du tout de revêtements dessus, ceux-là ils sont très mignons, ça change. J'ai pris des petites citrouilles comme ça, voilà, juste ça, pour la déco d'automne. J'ai juste pris des petites citrouilles et le petit centre de table que je vous ai montré. Donc voilà, 3 petites citrouilles, à 77 centimes la citrouille, vous aviez plein de couleurs, du marron, du jaune, vraiment plein de couleurs. Plein de couleurs. J'ai pris des éponges comme ceci. Pareil, je vous en avais parlé dans une vidéo. Ces éponges-là, je les aime trop. Enfin, je les connais, moi, d'une autre marque, mais c'est exactement la même chose. Faites-vous... Non, elles sont accrochées. Non, ouais, si, elles sont accrochées. Je vais vous montrer. Franchement, elles sont trop, trop bien. Moi, j'aime trop ces éponges-là. Elles ont un revêtement... Enfin, elles ont un traitement antibactérien. Ce qui fait que bah, c'est nickel, quoi, voilà. Et puis là, c'est un côté grattant, donc pour nettoyer votre évier, toutes les surfaces un peu difficiles et tout ça... C'est parfait. Ensuite, j'ai pris le produit The Pink Stuff, mais cette fois, c'est la mousse salle de bain. Ça, c'est top parce qu'on la trouve pas tout le temps. Et j'aime bien ces produits-là. Voilà, j'aime bien les utiliser. Alors, c'est pas des produits coup de cœur que j'utilise tout le temps, parce que moi, vous le savez, je suis toujours à fond dans Everdrop. C'est vraiment ma gamme préférée. Everdrop, il n'y a rien à dire, que ce soit en termes d'odeur, en termes d'efficacité, en termes de tout. Ensuite, j'ai pris des gels douche. Comme ceci, parce que c'est des gros formats, alors je connais pas du tout, c'est la marque, je sais pas, c'est la marque Luxe apparemment, voilà, et l'odeur elle est trop agréable, c'est avec de l'huile à l'intérieur, donc du coup ça doit laisser la peau douce, j'imagine. Franchement l'odeur elle est très agréable, c'est très floral, enfin voilà, mais bon ça sent quand même super bon. Et j'en ai pris un deuxième pour refaire les stocks, celui-ci c'est pareil, c'est fleur, c'est Sweet Dahlia, et l'odeur elle est pas mal aussi. Ouais, l'odeur elle est pas mal aussi, c'est agréable, avec de l'huile de patchouli et là c'est de l'huile de je sais pas c'est quoi, juniper, je sais pas ce que c'est. Donc voilà pour ce haul action, je suis juste déçue pour la palette, vraiment je suis trop déçue, je vais, je sais pas, je vais peut-être tenter de la ramener quand même et de l'échanger avec une autre si jamais ils en font d'autres, mais là le problème c'est que c'était la dernière, donc si j'y vais ils vont me redonner de l'argent mais ils vont pas me donner une autre palette, donc ouais vraiment déçue pour ça. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.